Bonjour, bienvenue. Alors, petite précision, je n'ai pas les dents jaunes en vrai. Et j'ai remarqué que avec tout ce que j'ai de couleurs autour de moi, ça me tue les dents jaunes, ça m'énerve. Voilà, avant que vous commenciez à vous exciter sur les réseaux sociaux pour me dire de réparer mes dents jaunes, déjà c'est pas votre problème. Soyez poli. Et ensuite, c'est vraiment une illusion de lumière. Bref, de toute façon je m'en fous, parce que je suis trop drôle comme ça. Bref, je sais plus ce que je disais. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sarah Magic Makeup. Aujourd'hui je suis Elsa dans Frozen de Disney. Je vais le faire les yeux fermés parce que c'est plus rigolo. Ce make-up m'a pris 9h-10h, enfin voilà, toute la journée plus la veille pour fabriquer cette magnifique chevelure. D'ailleurs, si vous voulez voir comment j'ai fait les cheveux, il y a le tuto sur ma chaîne également. Ah oui, petite précision, sous ce magnifique polaire bleu, j'ai un body paint en fait que finalement je vous montre pas parce qu'il a craquelé, il est parti en flocon. Et je l'ai un peu refait une fois et ça m'a saoulée. Et j'avais pas envie de le refaire et j'avais pas envie voilà, de tricher sur les photos et tout. Et en plus j'avais hyper froid. Donc finalement j'ai mis un polaire bleu parce que ça fait un peu genre Frozen. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi du coup j'ai de la peinture sur le buste mais je vous le montre pas quoi. Voilà, bref, c'est trop de parler pour ne rien dire. Donc je vous laisse regarder le tuto et on se retrouve à la fin. Je rigole parce que je sais que là j'ai vraiment l'air bizarre quoi avec le nez là, les yeux, tout ça. Bref, on se retrouve à la fin. Je vous préviens, aujourd'hui je suis très excitée. Je vais essayer de pas parler, mais bon. Je sais pas ce que j'ai. J'ai pas beaucoup dormi, c'est peut-être ça. Allez, hydratation, le voilà. Donc j'utilise mon gel du moment de chez Clinique. Pour ceux que ça intéresse. Et c'est tout. Ah ça, tu vas perdre 10 abonnés avec cette vidéo. J'en ai pas beaucoup. J'adore ce produit. Je filme ou pas? J'ai peur de pas être en train de filmer. En même temps, avec toutes les grimaces et les bruits bizarres que je viens de faire, ça serait peut-être pas plus mal si j'avais pas filmé. Eh bien, j'ai filmé. Oh, génial. C'est bon, hein? Ensuite, je ne sais pas. Je vais faire ça, mais je vais pas filmer ni pour TikTok. Bref, je parle, dis-toi. Allez, je mets du primer. J'en ai presque plus. Je sais même pas si j'en ai en fait dedans. Je mets du primer parce que je vais mettre de la peinture, donc faut que ça tienne quoi. Je suis excitée. Arrête. En fait, c'est une crème, ça. C'est un lait hydratant. Mais ça dit aussi base de maquillage. Mais peut-être qu'ils veulent pas dire primer en fait, mais base genre. Ah, en fait, je mets ça pour rien. On n'est jamais trop hydraté. Après ça, je crois que l'étape suivante c'est le camouflage des sourcils. Mais je vais finir d'étaler ce truc qui est quand même assez riche. Oh, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que je me suis fait? Bref, c'est bon là. Ça y est, j'ai fini. Le camouflage. Ça rappelle un truc avec ma soeur. Le bisutage. Voilà, bref. Personne ne va rien comprendre. Ma soeur va peut-être même pas regarder la vidéo. En fait, ça va faire rire personne. Le bisutage. Alors, je suis désolée. Cette vidéo, c'est n'importe quoi. Camouflage des sourcils. Donc, on prend la colle. Et une petite éponge propre. Et pas très sèche. Attends, est-ce qu'elle est très mouillée? Ouais, quand même. Bon, je vais utiliser celle-là parce que j'ai lavé mes trucs hier et... Spot sec là. Bref, Sarah, tais-toi. Allez, tais-toi. Et arrête de chanter. Alors, attends, c'est lequel mon bon sourcil? C'est celui-là là. Donc, je vais vous montrer, je vais faire de la mèche. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour l'autre côté. On en met un peu comme ça, n'importe comment, déjà, pour qu'il y en ait partout. Surtout sur la peau en fait. Et après, on va brosser vers le haut. On aplatit un peu plus avec le doigt. Pas obligé d'utiliser de la salive, moi je le fais, mais bon, je le recommande pas. Ah, j'ai de l'ongle sale. Et je nettoie un petit peu dessous et au-dessus, parce que sinon la colle en fait qui reste là, après ça fait une croûte quand on met de la poudre et c'est pas très agréable pour travailler quoi. Ensuite je prends mon éponge et la poudre libre. Et on va appliquer l'éponge bien à plat et l'enlever en remontant vers le haut.
Ensuite, on tapote bien pour en mettre partout. Et après, avec un pinceau, on enlève l'excès. Alors, l'étape suivante, c'est le contour du visage. Donc, je prends un crayon blanc. J'utilise une photo là sur mon ordinateur. Je mesure plus ou moins les proportions de son visage avec mes doigts, comme ça. Des fois, j'utilise un mètre ruban. C'est un peu plus précis, mais voilà. Là, je vais utiliser mes doigts. Elle a un front qui fait à peu près cette longueur. Donc, son front, il va jusque là. Le haut de sa tête, il est là. Non, c'est pas ça. Je recommence. Je vais prendre un mètre ruban. Eh oui, parce que c'est plus précis. Donc sa tête, elle fait 16 cm du menton jusqu'au front. En gros, faut que ça s'arrête là. Et on est d'accord ? Voilà, ok. Zut, il y a mon plat dans le four qui a sonné, faut que j'aille voir. Maintenant, je vais dessiner la forme des yeux. Comme ça, après, je pourrai mettre le fond de teint. Voilà. Pour faire sa peau rosée, j'ai utilisé mon fond de teint que j'ai mélangé avec du blanc. Et j'ai rajouté aussi un peu de rose, comme ça. Voilà. La couleur rosée, ça donne ça. Là, je vais mettre un peu de poudre libre pour fixer. J'aime pas ça. C'est horrible. Ensuite, on va un petit peu éclaircir sa peau, du contouring, du highlighting. Et on va commencer par mettre du blanc. Et après, on utilisera du rose pour faire les joues. Enfin, pas là, mais là du coup. Les joues, puis un petit peu, voilà, un petit peu le contouring. Alors ensuite, on va éclaircir au niveau de son menton. Son menton, il est à peu près... J'ai un truc qui me gratte là. Je sais pas, son menton, il est à peu près là où est mon menton. Mais il est plus petit que le mien. Ensuite, elle en a aussi du coup au-dessus de la bouche, mais sa bouche elle est très basse, donc on va en mettre là. On va passer au blush et je vais utiliser ce rose là. Donc je vais le mettre là où sont ses joues à elle, donc c'est-à-dire vachement bas ici. Je vais y aller doucement au début, faut pas en mettre trop. Oh là là, doucement ça va. On va ajouter la pointe du nez, en fait le rose de son nez, qui se trouve à peu près sur ma lèvre supérieure. Comme ça, ça permet de repérer où se trouvent tous les éléments du visage. Alors j'ai préparé un crayon, parce que c'est la bonne couleur, mais il écrit pas super bien. Pour appuyer, qu'il marche, il faut appuyer hyper fort. En fait, je crois pas que je vais réussir à m'en servir. Je vais essayer d'en mettre une, et puis on va voir. Oui, non. Effectivement, ça ne marche pas du tout. Ce truc-là, il faut appuyer, mais comme un malade. J'avais déjà prévu le coup au cas où. Donc, j'ai du marron et du beige. Et je vais fabriquer un marron couleur tache de rousseur. Voilà ce que ça donne, là, le marron. Ça va être particulier parce que, parce qu'en fait son nez il est sur ma bouche. Donc je vais commencer par faire les ombres du nez. Je vais essayer cette ombre là et si c'est pas bon je mettrai celle là. La narine par là, là et du coup ça va faire un espèce de truc comme ça.
mec il doit se dire elle aurait pu mettre les yeux sur les yeux, le nez sur le nez, la bouche sur la bouche. J'avais vraiment envie d'avoir les proportions du dessin animé et de me transformer. C'est sûr que c'est plus compliqué. C'est pas rigolo. Pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. Hein. Là il y a l'autre trou là de la narine. Alors je vais mettre les narines. Comme ça, on va un petit peu mieux visualiser le nez parce que là, je pense que vous voyez rien. Je vais mettre du noir. Ok, voilà en gros pour la forme des narines. Je vais prendre un eyeliner noir et je vais les renforcer là, les ombres. Pour l'instant, ça va me donner l'air d'avoir une moustache, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on va marquer là, les côtés, là, les bords de, les ailes du nez, là, les narines. Je vais voir, ça me gratte. Ah, par contre, ça me gratte. Ah, ça me gratte trop. Ah, horrible. Un peu tardu. Alors, ensuite on va éclaircir. Donc pour éclaircir, je vais prendre du blanc. J'ai l'impression d'avoir une moustache. C'est trop bizarre. Je sais pas si vous le voyez, vous, le nez. Regardez, c'est horrible. Il y a un petit nez de cochon. Bon, bref, pour finir le nez, justement, et pouvoir passer à autre chose parce que là, le temps passe, je vais rajouter juste un petit peu de blanc là sur la pointe pour le faire ressortir et le faire bien briller et qu'il ait l'air encore plus en 3D. Oh, pendant ce temps, tout mon haut s'est abîmé, là. J'ai toute la peinture blanche qui s'est décollée. Je suis ravie. J'ai une crise d'asthme. Allez, arrête de rire. Concentre-toi. Bon, c'est horrible, ça me dégoûte. J'ai l'impression d'avoir de la mort qui va tomber là. Ça fait trop bizarre. Alors, je vais faire la bouche. Oh là là, c'est horrible. Alors, c'est parti pour la bouche. Je vais utiliser ce rouge à lèvres parce que c'est à peu près la couleur de la bouche d'Elsa. Et je vais l'appliquer avec un pinceau super fin. Voilà, elle a une bouche très fine, assez simple, comme ça là. C'est pas très pulpeux, donc ça devrait pas prendre trop de temps. C'est qu'on va rajouter des ombres, on va rajouter des petites fossettes sur les côtés et on va faire briller un peu la bouche avec du blanc. Comme ça, ce sera comme le nez, ce sera un peu plus réaliste. Quoi. Ce nez, oh, ça me fait trop rire. Je vais éclaircir la lèvre du bas. On va venir foncer la lèvre du haut et un peu les bords. Je vais mettre une poudre en fait, non, une ombre à paupières comme ça. Thank you.
je reconnais plus du tout mon visage dans le petit écran, là, je comprends plus rien à ce que je vois. Pour mieux séparer les deux lèvres, il faut que je mette un tout petit trait entre les deux. Voilà, pas plus. Ça fait bizarre. Bon, je reprends du blanc, mon blanc, mon fard, j'ai mal, mon fard gras blanc. Et je vais recasser un petit peu la lèvre du bas. Je vais faire un peu aussi pareil en haut. Là, c'est très perturbant mon visage. Voilà. Et là, je vais prendre la peinture blanche à l'eau pour faire briller. Je fais peur en fait. Ok. Ça fait trop bizarre. Je vais rajouter une petite ombre sous la lèvre du bas. Cette petite bouche, c'est horrible. Ça me fait trop rire. Je me calme, faut que j'arrête. Du coup, je vais faire l'inverse. Là, je vais mettre du blanc pour renforcer l'ombre que je viens de mettre. J'en peux plus. Oh, c'est trop marrant. Bon, je vais faire une pause. J'ai fait une pause assez longue là, j'ai encore envie de rigoler. Je vais faire maintenant les petites fossettes sur les côtés là, au coin de la bouche. Désolée, je vais pas y arriver là, je crois. Bon, j'utilise, faut pas que je me regarde en fait, j'utilise les mêmes ombres que j'ai mises là-dessous et je vais les mettre au coin de la bouche. Je vais pas y arriver, c'est horrible. C'est horrible. Dire qu'il me reste les yeux à faire, allez, ça, regarde. C'est horrible. Et je trouve que ça fait presque peur en fait. Je pense que j'ai fini la bouche. Du coup, je vais enfin pouvoir passer aux yeux. Alléluia. Ça fait vraiment super bizarre. J'ai même mis des fossiles. Je fais peur. Ah, ça me va dans l'œil. Allez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ce que je fais, c'est que je fais tout le tour avec un eyeliner noir. Regardez le nez. Le faux. Bref, allez, c'est parti. Je vais m'aider avec un crayon blanc là pour l'iris et je vais faire le tour du cercle avec le crayon avant de le faire en noir parce que si je rate avec le noir, c'est quand même un peu plus galère à enlever que du crayon blanc. Ensuite, on fait du coup le tour en noir. Je vais peindre l'intérieur de l'œil en bleu. Pendant que ça sèche, je vais mettre le blanc. Je prends un fard gras. Parce que la peinture, vu ce qu'elle m'a fait ici, elle a craqué de partout. Alors maintenant je vais rajouter un différent bleu à l'intérieur de l'œil. Donc en fait je prends le bleu que j'ai utilisé, du blanc et un bleu comme ça. Je mélange un peu tout et voilà, ça fait des foncés, des clairs et je fais plein de petits traits à l'intérieur. Là, je vais rajouter des ondes dans l'œil, comme j'ai fait ici et ici. Maintenant que c'est sec, je peux rajouter la pupille. C'est trop bizarre les gars.
Alors, ici là, vous voyez, j'ai mis du blanc, pas la tache très blanche, mais à côté. J'en ai mis partout. Et ensuite, je vais rajouter le petit point blanc à l'intérieur. Voilà. Trop bizarre. Maintenant, je vais rajouter le maquillage sur ses yeux. Je commence par le bas. Je vais un petit peu mettre de noir là. Et je vais peindre les cils. Ensuite, on va faire le maquillage sur la paupière du haut. Et on commence par mettre du violet. Non, c'est pas du violet, c'est plutôt une sorte de bordeaux. Ensuite, je vais utiliser ces deux ombres à paupières là et je vais faire le, comment dire, contourner la paupière pour lui donner du relief en fait. Au milieu, je vais faire briller avec du rose irisé, rose pâle. Pour que ça brille un petit peu plus là au milieu, je vais mettre du fard gras blanc. Là, je vais faire mon trait d'eyeliner dans le coin. je crois que j'ai fini le maquillage des yeux, il me semble, que j'ai tout mis. Donc, du coup, je vais pouvoir coller les faux cils. Oh, je fais n'importe quoi, je tremble. Quand je souffle, ça me fait trop rire. Il y aura un tabac noir. Ça fait bizarre. Hein. Il me reste à mettre des sourcils et coller mes cheveux. J'ai fait un sourcil là, un peu compliqué parce que ils sont pile à la limite de mes yeux là. Donc je dois le faire à cheval sous l'œil et sur le cil. Mais bon, on les voit, on les devine, c'est tout ce qui compte. Donc je vais faire le deuxième et pour ça j'utilise tout simplement de la peinture marron et un tout petit peu de noir. Coller les cheveux. Je vais pas mettre trop de colle parce que je sais pas trop vraiment comment le coller. Allez, on va mettre les côtés là. Alors, je vais coller la tresse. Je l'ai perdu d'ailleurs, c'est celui-là que je vais coller. Je sais pas trop comment, je vais essayer de le mettre par là pour faire une sorte de mèche. Bon, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Enfin, triste, non, parce que ça va me soulager. J'ai décidé de pas garder le haut là, la peinture sur le corps, pour trois raisons. Première raison, j'ai fait des retouches, mais la peinture, je sais pas ce qu'il y a, elle fait que craquer, elle s'effrite, et voilà, c'est pas beau. En tout cas, moi, c'est pas assez bien fait pour que je puisse le partager en l'état. Deuxième raison, en fait, comme j'ai envie qu'on voit quand même la natte, pas forcément jusqu'en bas, mais un petit peu plus, quoi. Je voudrais pouvoir faire une photo plus large, mais du coup, on verrait ma poitrine. Et donc c'est compliqué vu que je n'ai peint que jusqu'ici. Troisième raison, c'est que j'ai très froid. Je tremble en fait là, je suis en train de tomber malade je crois. Et du coup pour mon confort en fait personnel, je vais porter cette veste bleue qui en fait je pense ira très bien. C'est Elsa qui va faire du ski et elle a besoin de porter sa polaire. Donc voilà, je ferme le truc là pour être au chaud. Parce qu'en fait j'ai passé toute la journée en soutien-gorge quoi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Attends, je ne comprends pas. Que se passe-t-il? Ne me dis pas. Qu'est-ce que c'est ça? Ça va devant ou derrière ce truc-là? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est bizarre. Non, je comprends rien. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ce truc? Je voudrais juste rajouter une ombre ici pour qu'on ait vraiment l'impression que j'ai des cheveux qui font de l'ombre sur mon front. Je suis en train de manger donc je vais peut-être un petit peu ruiner mon nez. Que je mange avec mon nez. Et craché. Allez, je rajoute une ombre sous les cheveux là.
Bon, mais je crois que j'ai tout mis là, les ongles, les cheveux, j'ai plus froid. Le seul truc que je sais pas comment faire, c'est pour pas qu'on voit les trous de nez là. Je crois que j'avais vu une fois une fille qui mettait du coton et qui peignait de la couleur là. Mais honnêtement, j'ai pas la foi de faire ça. Voilà qui conclut ce tuto. Mais en fait, le plus drôle, c'est quand je parle pas et que je fais des grimaces, non? Encore que j'ai regardé vite fait ce que ça donnait quand je parle et c'est pas mal calé, je trouve. Ma bouche avec la fausse bouche. Ah, ça me gratte. Je sais pas où ça me gratte en plus. Je sais pas si ça me gratte mes vrais cils ou les faux. Bref, j'ai vu ce que je disais. C'est bien calé, je trouve, les deux bouches, parce que quand je parle, on dirait presque que c'est ma vraie bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je suis excitée, je suis fatiguée, j'en peux plus. J'ai envie de rire en plus. Quand je vois ma tronche dans le miroir. Bonjour, j'ai 37 ans. Voilà ce que je fais. De mes journées. J'assume. Bref. Oh là là, cette conclusion est des plus déplorables. Allez, je m'arrête là parce que là, il faut que j'aille filmer pour TikTok. Donc, plus sérieusement, je vous remercie si vous êtes resté tout le long. Je pense que ça a dû être un petit peu éprouvant. Aujourd'hui, j'étais plutôt excitée, en tout cas au début. Mais en tout cas, un grand merci si vous êtes toujours là. Merci aussi si vous vous abonnez et si vous laissez un petit pouce vers le haut aussi. Ça fait toujours chaud au cœur. On se dit à la semaine prochaine avec un nouveau tuto aussi sur le thème de l'hiver, peut-être Noël. Voilà, et puis ben, prenez soin de vous. Merci encore d'être là, d'avoir regardé. Plein de bisous et à la semaine prochaine. Ciao.